La célébration de la journée libération de Samnéa, province de Huapan, et les 60 ans de sa libération, 5 mai 1953 à 5 mai 2013. Le général Sisavat Kabunpan fut l'un des chefs d'état-major de l'armée populaire qui a participé à l'opération de la libération de Samnéa. À cette occasion, il nous a rappelé qu'il fallait créer les comités d'accueil pour fêter cette journée historique qui aura lieu dans quelques jours et qui sera célébrée dans la province héroïque qui fut la base des forces révolutionnaires de Laos. Le général Sisavat Kabunpan a rappelé l'histoire, le développement et les hauts faits d'armes réalisés par le PPRL dans la lutte contre les occupants étrangers, anciens et nouveaux colonialistes, pour la libération nationale et pour la protection et la reconstruction du Laos d'aujourd'hui. Il a souligné que l'avènement du PPRL avait commencé à Samnéa. Ceci marquait une nouvelle ère, celle de l'indépendance nationale, de la souveraineté, de la démocratie et de l'autodétermination nationale. Sous la direction compétente et clairvoyante du PPRL, la lutte des peuples du Laos a été portée à la victoire, la libération de Samnéa et à la création de la RDP Laos le 2 décembre 1975. De nos jours, le PPRL continue de mener avec enthousiasme le peuple sur la voie du socialisme afin d'apporter bonheur, bien-être et prospérité au peuple de l'ensemble du pays. Le PPRL s'est donné comme mission de conduire le peuple Lao vers la prospérité, la stabilité et depuis, la condition de vie du peuple multiethnique Lao s'est nettement améliorée. La célébration de la journée de la libération de Samnéa, province de Huapan, 5 mai 1953, 5 mai 2013, et la commémoration des 60 ans de libération de Samnéa est également l'occasion pour le peuple d'étudier les objectifs du parti, de comprendre son fonctionnement, son rôle, ainsi que le but de l'unification nationale.